Le réseau dans le bus a lâché. Excusez-moi, mais je vais juste conclure. Je vais juste conclure en appuyant encore plus ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Je vais juste conclure en appuyant un peu ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Ce n'est pas dans la compromission qu'on arrivera à faire avancer ce pays-là. À un moment donné, les forces en présence ont besoin de s'asseoir et savoir quelle est la direction. Excusez-moi, la direction vers laquelle vous voulez amener ce pays-là. On vous le dit, on ne le dira peut-être jamais assez. Ce n'est pas en jouant avec un pays que vous allez y arriver. Vous n'allez pas y arriver. Depuis là, ça fait des années que vous jouez avec ce pays-là et vous n'arrivez qu'à reproduire des schémas de malheur et d'humiliation pour un peuple. Et tout ce que vous arrivez à reproduire, malheur et l'humiliation. À un moment donné, il va falloir vous asseoir et vous dire de quel avenir vous voulez, de qu'est-ce que vous attendez de votre propre pays. Et ce n'est pas des personnes étrangères à notre pays qui pourront nous aider à choisir ce qui va être bien pour nous. Quand je vois, quand je vais au Gabon, quand je voyais que là, les gens, ils avaient des problèmes, ils allaient voir leur employeur français ou leur employeur étranger. Qu'est-ce qu'on a à foutre de vous? Il n'y a qu'à voir le nombre d'entreprises qui sont fermées chaque fois que le pays s'est barré, et cela pour leur pognon. Ils sont tous barrés chaque fois que le pays allait mal. Regardez la Satram, l'état de la Satram aujourd'hui. Ça fait combien d'années que les gens sont en train de pleurer? Oh, Satram ci, Satram ça. Oh, nous voulons ci, nous voulons ça. Mais vous êtes trompés de combat, les frangins. Parce que les gars là, ils n'en ont rien à foutre de vous. Ils n'en ont rien et absolument rien. Donc on vous demande de vous battre pour une cause noble, la dignité des Gabonais. Et ces gens-là ne font que rendre le Gabonais indigne. Vous avez vu comment, quand même, Farjon avait quand même eu avec la complicité quand même de tous les autres, mais il a quand même le toupet et le courage de venir faire danser des dongues là devant tout le monde. Mais les gars sont venus danser, il est venu danser devant, il était avec sa canne, il dansait. C'était impitoyable, c'était pathétique, c'était tellement risible que j'en pleurais. Pour l'image qu'on envoie aux autres. Personne d'autre que vous-même ne pourra vous rendre digne. Personne d'autre. La dignité, on est avec ou on n'en a pas. Quand vous voyez les gens qui sont en train de se battre pour être des bons petits, c'est des gens qui n'ont aucun sens de la dignité. Aucun. Aucun. On ne peut pas vouloir créer. On ne peut pas vouloir créer un pays avec des gens qui ont décidé d'être des moutons. Ce n'est pas possible. On vous a montré depuis 3 ans, tous les résistants, qu'on s'aime ou qu'on ne s'aime pas. Depuis 3 ans, on vous a montré la faiblesse de ce pays-là et des gens qui le dirigent, des gens qui ne valent rien. On vous a montré, on vous a dit, ces gens-là, ils ne valent absolument rien. C'est pas la peine de les suivre. Vous les avez quand même suivis. Aujourd'hui, ils sont patients d'Abani, rase les murs. Asselé vient menacer des gens en disant que le 23 décembre, les résistants vont mourir. Regardez, je vais vous montrer, je ferai un live pour vous montrer tout ce qui a été écrit depuis 3 jours. Chaque fois qu'Asselé ouvre sa grande gueule. C'est pour dire que les gens sont à bout, le système est essoufflé. Il suffit juste d'un petit coup de main du peuple et ça va aller. Moi, je n'attends pas la France ni personne là, j'attends personne. J'attends personne parce qu'ils n'ont jamais été capables de faire de nous des hommes. Nous, ce qu'on attend, c'est la conscience populaire qui prend conscience de sa, l'existence de sa propre misère. Lorsque le peuple aura compris de manière viscérale qui sont dans une misère, ben je peux vous dire que tous ces gens vont fuir comme des lapins. Vous savez où habite Sylvia, vous savez où habite Ali, vous savez où habite Farjon, vous savez où tous ces gens habitent. C'est maintenant le moment d'aller rentrer dans leur maison et vous récupérer votre gamin. Il va falloir créer la même haine qu'ils ont de vous à dire que vous ne leur avez rien fait. Aucune raison valable, ils ont fait des Gabonais ce qu'ils ont fait. Il n'y a pas de raison valable, sauf la traite pour l'argent. Donc c'est maintenant à vous de le faire. Hein. Et ça ne changera pas. Ça ne changera pas sinon. Si vous attendez que quelqu'un vienne vous sauver. Jésus-Christ là, il est parti. Mais quand il reviendra à Nazareth. Hein. Il ne va pas arriver à l'Évangile. Donc en attendant, il faut prendre son destin en main. Et attraper cette chose-là sérieusement. Personne ne peut être plus fort qu'un peuple qui est déterminé. C'est pour ça que chez vous, ils sont en train de créer un désordre qui fasse en sorte que dans votre famille, ils vont en placer un qui est fort. Vous allez dire, nous au moins on a ça. Aujourd'hui, le Wolentem est en train de se plaindre parce que depuis 1960, c'est la première fois qu'il n'y a pas de ministre chez eux. Il n'y a pas de personne forte chez eux. Comme si le fait d'avoir un Tonio Ndomba ou un Yogo Etan ou un Renaud Allo à Kouré, ça a redéveloppé le pays. Donc la géopolitique n'est pas forcément une solution. Par contre, la solution ultime, c'est le patriotisme. C'est comment est-ce qu'on voit le Gabon dans son ensemble.
C'est pour ça que Mamoundou était le seul à avoir fait voter quelqu'un qui n'est pas d'un endroit, dans une autre province. Rappelez-vous de cette histoire. L'histoire du Gabon, qui a fait en sorte que quelqu'un qui ne soit pas de ça, de la Nianga, soit voté dans le Gouet maritime, si je me rappelle. Il était député à Garagamba. Ça voit une vision large de son pays, une vision large de sa terre. Vous pouvez traiter les gens de tribalisme, de machin, ça c'est des trucs quand vous avez envie de perdre du temps. Mais la véritable réalité, c'est comment est-ce qu'on s'inscrit dans le changement et dans le développement de notre pays, en disant que notre pays, c'est les 267, 667 000 carrés. Et toutes les personnes qui ne sont pas de chez nous doivent d'abord aller dehors le temps qu'on s'approprie réellement notre pays. Parce que tant que ce n'est pas ça, vous allez avoir des Akrombessi bis, Fajon, vous allez avoir des Doussi, des Doussou, tristes, Fanou, vous allez avoir des Chadi, hein, qui vont devenir des maires dans nos Gabons, des Moukarim, qui vont venir vous gérer. C'est-à-dire qu'ils ont leur pays, le Liban. Tout l'argent qu'ils font là, c'est le Liban. Et si vous pensez que c'est faux, je vous ferai un live sur comment est-ce que Moukarim est en train de pomper l'argent au Gabon. Vous envoyez ça où? Dans son pays. Parce qu'il sait que tôt ou tard, il va foutre le camp du Gabon. Parce que c'est pas celui-là, il n'a pas l'amour du pays. Comme Fazon n'a pas l'amour du pays. Parce que si ce gars-là avait l'amour du pays, il n'aurait même pas fait le quart de ce qu'il a fait. Il aurait même dégommé tous les bons. Donc on parle de ça. De cette appropriation que nous avons de notre pays. L'appropriation est mentale et cordiale. Le cœur fait en sorte que tu t'appropries ton pays. Vous avez peur de dire aux gens que vous aimez notre pays. Nous, aujourd'hui, on est dans la merde, hein, par rapport à notre pays parce qu'on aime notre pays. C'est chez nous. Donc, il ne faut pas être patriote lorsque vous voulez servir ce pouvoir-là. Et ça, on ne peut plus accepter ça. On ne peut plus accepter ça. Je ne vois pas pourquoi. Parce que dans un pays, le bonheur d'un pays extrêmement riche, puisque Tanasa, à lui tout seul, et je prenais toujours l'exemple de Tanasha, participe Tanasha, à lui tout seul, il représente le budget d'une province du Cameroun, et même d'un pays, lui, à lui tout seul. Ça veut dire qu'il a décidé, par le vol politique, de s'accaparer tous les rêves et toutes les ambitions de tous les jeunes et vieux Gabonais, en les privant, en leur privant, de tous ceux qui font d'eux des véritables Gabonais. Il a décidé de prendre pour lui, sans aucune forme de consensus, sans que l'Assemblée nationale, on ne sait même pas si c'est une Assemblée nationale. Hein, il a décidé, comme ça, de prendre tout le. Il prend 200 milliards, il prend, comme façon. Mais c'est très grave. Mais c'est très grave, les Français. On ne peut plus laisser ce genre de choses se faire. Vous avez laissé des gens venir prendre notre terre. Vous voyez, maintenant, c'est Lee White qui vient représenter le Gabon ailleurs. Il va saluer les Sassou et compagnie. Un gars qui n'est pas de chez nous va aller parler de notre pays comme si c'était le chien, à dire que c'est lui, on sait exactement où ça se trouve. Il est devenu ministre dans notre pays. Pourquoi? Parce que vous avez en face de vous des personnes qui n'aiment pas leur pays et qui sont dans la compromission. Et ça, pour moi, c'est insupportable et ça ne doit plus être possible. Ça ne doit plus être possible. Si vous voulez vous battre pour un Gabon, c'est ce Gabon-là. Le Gabon du refus de la compromission et de la corruption. Le Gabon est le pays le plus corrompu au monde. Il y a trop d'argent. Il y a trop peu de personnes qui en bénéficient. Vous avez vu, il y a une interview d'un Saoudi Arabi qui disait, vous savez la différence qu'il y a entre vous, les Nigériens, et les Saoudis Arabes, c'est que nous, on a un leader qui a une vision. Et ça fait toute la différence. On avait, il y a 20 ans, nous n'avions rien que du désert et du pétrole. Aujourd'hui, regardez nos pays, regardez nos États. Mais c'est ça le problème. C'est que vous avez aujourd'hui un Edoungue complètement aveugle, amorphe, troué de partout, qui mange maintenant par perfusion. Et c'est cette personne-là dont vous pensez qu'il va devenir donc le nouvel Eldorado mental pour les Gabonais. Quelqu'un qui n'a aucune vision à part l'enrichissement illicite. Et si c'est faux, dites-moi comment est-ce qu'il a fait pour trouver 600 milliards de francs CFA en moins de 10 ans. Si ce n'est pas dans la volonté de s'enrichir personnellement. Et lorsque tu es dans l'enrichissement personnel, tu ne peux pas construire le pays. C'est pour ça que nous sommes des États faibles en Afrique. Parce que les gens sont en train de faire des personnes super puissantes. Mais ils ne sont pas là pour créer un pays. Et aujourd'hui, on est en train de payer les conséquences de ces comportements délétères. Parce qu'il y a des petits rigolos qui ont décidé de devenir extrêmement puissants, extrêmement riches, extrêmement forts, en volant le pays. Et ça là, vous faites semblant de ne pas vous rendre compte que c'est extrêmement grave. Parce que si Akrombessi a volé beaucoup, Fazon a mieux volé. Il a mieux volé. Mais aujourd'hui, les gens sont complètement déboussolés. Les gens qui le suivent. Et les Gabonais aussi. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Donc,
Donc moi, je vous dirai une chose simple et je terminerai par là. Partagez cette vidéo. Allez voir les vidéos que j'ai faites sur le gars de la CDC là, et le gars du pétrole, là, Noël Mbumba et Aman Mbumba, là, Binyumba. Allez voir. Allez voir. Allez voir ce que nous dénonçons tous les jours. Ce que vous êtes en train de subir pour ceux qui vivent au Gabon. Moi, pendant ce temps-là, je vous ferai un live quand je vais arriver à Toronto. Et je vous ferai un live pour vous montrer le match de basket, la NBA que je vais voir. Parce que moi, j'ai choisi d'être libre. Et j'ai choisi de me payer mes délires. Parce que je suis un Gabonais. Dans le monde entier, parce que nous venons d'un pays riche. La deuxième partie de partagez, on échange Toronto dans quelques heures, dans 3 heures, et je vous montrer la ville, comment est-ce que les gens construisent leur pays, et je vous montre que je suis parti de Montréal, hein, je vais faire 500 km et je vais mettre 5 heures. Pendant ce temps, quand je vois les images, hein, de la route de Libreville à Kango, j'ai vraiment envie de rire, hein, parce que c'est la compromission qui a fait ça. Je demanderai à Julien Corbe comment est-ce qu'il fait pour arriver chez lui en tout, s'il n'y a pas de route. Les premiers ministres, l'opération Scorpion, la corruption, les transports avec Doudangoy, pourquoi vous n'avez pas arrêté? C'est ça, parce que vous êtes en train de subir le simple fait que le pays soit compromis depuis des années. Des années, il n'y a rien au Gabon. Il n'y a absolument rien. Pourquoi? Parce que vous avez accepté de vendre votre dignité à des étrangers, à des gens cupides, des nationaux cupides. Et ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Il n'y a que vous qui pouvez changer cette tendance. Bon. Je vous aime bien. Partagez la vidéo si vous aimez. Partagez si vous n'aimez pas. Il y a la deuxième partie. Portez-vous bien. Je vous capte tout à l'heure.